Eu acho que a Liga dos Campeões é o auge para um futebolista e especialmente para mim, porque é uma competição onde eu dou-me bastante bem. Une réalité sur le terrain. Double vainqueur de la compétition et multiple briseur de records. Cristiano Ronaldo a déjà sa place dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avec un but marqué lors de chaque match de ses huitièmes de finale contre la Roma, il atteint un total de 13 réalisations en seulement 8 matchs. Des performances européennes incroyables. Qu'il paraît bien loin, le début de carrière de... Cristiano Ronaldo. Élevé à Santo Antonio, dans le quartier de Funchal, sur l'île de Madeira, c'est ici que Ronaldo a fait ses premiers pas sur un terrain. En 1994-95, quand nous, au National, et moi, comme entraîneur des infantis B du National, observamos o Cristiano Ronaldo a jogar aqui na Madeira pelo Andorinha. E de facto, nessa altura, chamou-nos a atenção aquele miúdo que queria fazer tudo muito pressa e tudo dentro do campo. Que jogava futebol, que jogava na rua, que jogava no treino, que jogava na escola e que passava a vida a jogar futebol. Minha ilusão foi sempre ser jogador profissional de futebol. E isso proporcionou-se passo a passo, quando jogava nas camadas jovens, quando jogava na Madeira, depois passei para o Sporting, e tudo proporcionou-se de uma maneira muito rápida. Eu era profissional desde com os 17 anos, 16. Les 6 années passées au Sporting Lisbonne ont permis à Ronaldo de se développer, mais c'est surtout son transfert à Manchester United en 2003 qui va changer sa vie. Le jeune attaquant file montrer ses talents en Angleterre. When he came to the club, he was just raw talent, really. And you know, I think a couple of years that it took for him to get to become a world class player really helped him. And he just got better and better, really, with each season, scoring more and more goals. Ronaldo a beaucoup apprécié son passage par Old Trafford. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a apporté au club. Notamment des larmes de joie lorsque Manchester a remporté la Ligue des Champions 8 ans plus tôt contre Chelsea. À tout juste 23 ans, le garçon de Madère devient alors champion d'Europe pour la première fois. Un an plus tard, Ronaldo quitte les Red Devils pour la Maison Blanche madrilène, l'ascension parfaite pour le Portugais. Excellent dans la capitale espagnole, il brise tous les records sur son passage. En 2014, il atteint sa 3e finale européenne et devient le meilleur buteur de la Ligue des Champions sur une saison. É um recorde especial. Fui o jogador que conseguiu marcar mais gols numa fase de qualificação de uma Liga dos Campeões. Para mim é especial, por isso comemorei dessa maneira. Ronaldo est alors dans la forme de sa vie et atteint pour la première fois la finale européenne avec le club madrilène, à Lisbonne, là où sa carrière professionnelle a débuté. Il marque dans un match qui restera comme celui de la Décima, une soirée où il a écrit un petit peu plus son histoire. C'est-à-dire que même s'il est Cristiano Ronaldo, même s'il gagne des titres, même s'il met beaucoup de buts chaque saison, son objectif premier, c'est toujours de progresser, c'est-à-dire toujours de montrer à l'autre. C'est-à-dire même quand il est en entraînement, c'est gagner tous ses matchs d'entraînement. Et ça, c'est assez spectaculaire. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Cristiano Ronaldo a certainement encore de beaux jours devant lui. Ce que je veux, c'est tous les ans évoluer un peu plus, parce que je pense qu'un joueur de football nunca está concrétisé dans sa plénitude. Et j'ai réussi au long des années, pour ça. Sinto-me muito concretizado por isso. Isso dá-me motivação e orgulho para continuar a trabalhar da mesma forma ou melhor. E por isso sinto-me concretizado e quero muito mais.